Bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir, c'est la première vidéo de 2019, donc déjà bonne année à tous. Donc on va tout de suite commencer cette année bien, parce que j'ai eu une nouvelle trotte pour Noël. Et du coup, ben, aujourd'hui je vais vous faire le scooter check. Donc je suis désolée parce que j'avais filmé un unboxing et un custom build. Sauf que je l'ai fait dehors, à l'extérieur, il y avait beaucoup trop de vent, du coup on m'entend pas parler. Donc je suis un peu deg, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais un scooter check. Donc ben, on va tout de suite commencer. Donc c'est parti. Donc on va tout de suite commencer par le haut avec deux poignées BSD en noir. Donc moi je les kiffe, elles sont pas trop grosses et elles sont assez longues. Donc pour ma barre qui est d'assez grande taille, c'est parfait. Donc moi je les kiffe, le petit design, tout ça. Donc après on va passer aux embouts de poignée. Donc on a deux embouts de poignée qui vont avec les poignées, donc des BSD en noir. Avec un petit design assez sympa, moi je trouve. Donc je kiffe bien. Donc maintenant, on a un petit sticker S1 stylé. On va passer à la barre. Donc c'est une barre en titanium, les gars. La barre Cornova V2 Stunt Titan. Donc c'est une T-barre. Elle pèse 863 grammes. Et elle est en 65 de haut et 63 de large. Vraiment, cette barre, je la kiffe. Trop agréable à rouler, c'est flexible. Et bien sûr, elle est en couleur titane, donc un peu chrome. Et ce que je kiffe bien, c'est le logo corps dessus. Après, on va avoir le collier de serrage. Donc, c'est un collier de serrage Blunt Forged de vis avec le petit logo dessus. Après, on va passer à la fourche. Donc, c'est une fourche Boris Germain The Animal en chrome. Vraiment, cette fourche, je la kiffe trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit The Animal marqué sur le côté là. Et vraiment, elle est parfaite. Et ce qui est bien, c'est qu'elle prend les roues 125. Maintenant, le. Direction corps basique en bleu, la coupelle des roues aux routes industrie Onei Core, donc c'est les roues les plus légères. Vraiment, je les kiffe trop ces roues. Donc, avec petite route industrie, elles sont en 110 mm. Les Onei Core, donc on passe au grip. C'est un grip corps basique hein, qui agrippe très bien. Moi, il fait l'affaire, donc c'est ce qu'il faut. On va passer au petit frein Apex, donc c'est un frein flex chrome qui vont avec tous les Apex normal. Et maintenant, on passe vraiment au petit bijou, le deck Apex. Donc, c'est un deck vraiment que je kiffe grave. Il est en bleu turquoise, comme vous pouvez voir. Et vraiment, je le trouve trop stylé. Donc, c'est un deck en 51 de long. Donc, pour moi, il est pile la bonne longueur. Il est parfait à rouler, il est vraiment agréable. Et bah, je trouve que c'est parfait, quoi. Et donc, voilà, de l'autre côté, c'est pareil, hein. Petit Apex marqué à l'arrière du deck, et vraiment il est vraiment stylé, je trouve. Et donc maintenant le dessous avec marqué Apex, ça rend bien stylé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez du deck, si vous kiffez ou vous aimez pas du tout les Apex. Bon, là j'ai déjà un peu raidé parce que j'avais trop hâte. Donc voilà, là quelques photos de la trotte. Donc voilà, moi je trouve que tout va vraiment très bien ensemble. Je trouve que c'est trop clean. Et vous pouvez me dire, vous, dans les commentaires, si vous kiffez ma trotte autant que moi ou pas. Parce que moi, vraiment, je la kiffe trop. Et voilà. Donc, je vous ai mis 2-3 plans. Bien stylé de la trotte. En plus, c'est une barre assez large. Du coup, moi, je kiffe trop les barres larges. Et voilà, le petit stickers S1. Aussi, je tiens à remercier Immersion Freestyle. Car ils ont fait un concours et j'ai gagné ce casque S1. Donc c'est des très très bons casques, ils font partie des meilleurs casques à mon goût. Donc c'est un S1, et donc une marque de casque. Et vraiment, je le trouve grave stylé. En plus, il est en bleu, enfin les lanières bleues et le petit logo S1 que vous allez voir est en bleu. Donc je trouve c'est grave stylé, ça va hyper bien avec ma trotte, mon deck qui est en bleu. Donc vraiment c'est parfait, je suis trop content d'avoir gagné ce casque. Donc merci à Immersion Freestyle. Donc j'espère que ce petit scooter check vous aura plu. Vous pouvez surtout me dire en commentaire si votre matrotte vous plaît autant que moi, parce que moi vraiment je la kiffe, j'ai pris beaucoup de temps à chercher toutes mes pièces. Donc c'est vraiment cool maintenant que j'ai cette trotte, parce que je la kiffe trop. Et juste, j'ai oublié de dire, ma trotte pèse 3 kg 226 g. Donc c'est vraiment léger. Et bah, je suis super content que je sois aussi légère, parce que c'est hyper agréable à rider. Et donc maintenant je vais vous lâcher des clips. Donc c'est parti. Thank you.
All rise. It's my time, I thought they would have told you, oh, oh. Got the whole world in the back of the whip and they yelling, go, go. I won't stop until I die, I, oh, no. Oh, no. Yo, it's my time, I told you I could. Now your boy really out here doing it. Et donc si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, partager la vidéo et mettre un petit commentaire pour me dire si tu kiffes autant que moi ma nouvelle trap, parce que moi vraiment je l'adore. Et surtout t'abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et sinon moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah oui aussi les gars, surtout je tenais beaucoup à vous remercier pour les 100 abonnés. Même s'il y en a ils vont dire ouais c'est pas beaucoup. Moi, c'est déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis vraiment content. Donc, merci à vous. Et je vous fais confiance pour qu'on aille encore plus haut. On ira ensemble.